Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes mercredi 9 décembre. Il est 9h, un petit peu plus de 9h, voilà. Je suis levée depuis 6h comme d'habitude. Je vais vous montrer ce que j'ai dans le calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Donc j'ai eu le Cherry Coco Crunchy. Donc cerise, noix de coco, chocolat je crois. Celui-ci. Et j'ai eu dans le calendrier Marionneau. Oh, ils sont trop bons. Ce petit gel douche. C'est grenade fruit de la passion. C'est de la marque Happy Passion. Donc c'est de la marque Happy, c'est la marque Marionneau. Et c'est le Passion. Et ils sont juste trop bons. Je vous assure, vous auriez l'odeur. Ils sont trop trop bons. Donc voilà ce que j'ai dans le calendrier de l'Avent. Là, j'ai fini de faire l'inventaire de mon congèle, de mon frigo, de mes épices, de faire le tri là-bas dans mon truc de pâtisserie. C'est déjà un peu mieux, c'est un peu moins le bazar. Et ce matin, j'ai également ouvert mon nouveau kit de casseroles. Donc moi je kiffe, c'est les casseroles Tefal avec la petite poignée qu'on enlève. Donc dedans il y avait donc deux couvercles, il y avait une, deux, trois casseroles, trois poêles. Il était au prix de 60 € je crois à Leclerc, c'était une promo qu'il y avait. Ensuite il y avait dedans donc une louche, une petite cuillère comme ça que j'aime beaucoup pour le service, une petite spatule, une spatule à crêpes, une spatule comme ça. Un fouet. Donc voilà, le chat lavera tout ça ce soir. Et puis écoutez, voilà, j'ai fait un peu le bilan, donc je sais à peu près ce que j'ai. Je vais me faire une petite liste de courses préétablies, on va dire, avec déjà ce que j'ai, comme ça je cocherai au fur et à mesure. Vous ne me voyez plus. Donc voilà, ça me prend pas mal de temps. J'ai fini ce matin de marquer ce que j'avais fait hier. Donc voilà, ça fait déjà une liste pas mal. Et puis je vais rajouter ça, et puis voilà. Et puis voilà, après j'aurais plus qu'à me mettre à faire mes repas, ce qui va me prendre quand même pas mal de temps, je dois vous l'avouer. Et il faut absolument que je commence les cadeaux pour ma maman. Voilà, je vais boire un coup, j'ai trop soif. À la vôtre. Voilà pourquoi je prends des petites bouteilles. Je me mets mon sirop dedans et je l'emmène partout avec moi. Et comme ça, ça m'oblige à boire. Bon, écoutez, je vais faire tout ça. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal pour ce matin. J'ai encore pas mal de trucs à marquer. Bref, et comme ça, je verrai un petit peu ce que j'ai à acheter et ce que je n'ai pas à acheter. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends. Il est 11h15. Je vais faire à manger. Je suis toujours dans mes listes. Hein. J'ai pas fini mes listes. Et je pense que j'en ai pour un petit moment vu comment je veux faire les choses. En fait, donc j'ai fait tous mes placards, mon frigo, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une liste de courses déjà toute faite, et je coche que ce que j'ai besoin, que je mets dans une pochette transparente, etc. Et je coche ce que j'ai besoin. Et en fait, je suis en train de reprendre tout ce qu'on a acheté depuis qu'on fait le drive. Plus la commande. En fait, vous avez, quand vous allez sur le drive Leclerc, vous avez un onglet commande express avec tous les produits que vous prenez le plus souvent. Donc ça, j'ai déjà tout listé. Et je prends commande par commande et je regarde ce qu'on a acheté. Je note. Et après, je ferai toute une liste récapitulative. Et comme ça, je peux voir ce que j'ai acheté, ce que j'ai pas acheté. Et je pourrais mettre à jour le reste de mes listes. Enfin bref, j'aime bien mon kikiner la vie, vous allez dire. Donc à midi, c'est normalement, c'est chou-fleur, pommes de terre et poisson. Je vais faire du chou-fleur et du poisson. Ce sera très très bien. Je vais faire le chou-fleur au cookéo. Et je pense que je ferai le poisson également au cookéo. Je ne sais pas, on va voir. Ouais, je vais aller chercher tout ça, puis je ferai tout ça. Donc voilà, je suis en train de faire chauffer mon chou-fleur. Je l'ai mis 7 minutes au cookéo. J'ai sorti les petits champignons qui me restent du début de semaine. J'ai mis dans mon pot de crème qui restait, puisque de toute façon, après, voilà, ça va être fini. J'ai mis un mélange sel, poivre et curry. Dessus, je vais mettre du petit 3 fromages, là, du râpé 3 fromages, il m'en reste, donc je vais le finir. Et j'ai mis à décongeler deux filets de cabillaud, je crois que c'est du cabillaud, du colin, enfin bref, du poisson blanc que je vais mettre avec. Et je vais faire gratiner tout ça au four, enfin cuire ça au four voilà, pendant une petite 10-15 minutes. Et ce sera parfait, ce sera très très bien. Avec, je prendrai une clémentine, une ou deux clémentines. Et puis peut-être un yaourt, je ne sais pas, on verra. Je pense que ce sera très bon. Et voilà, j'avais très envie de manger un gratin de chou-fleur. À la base, je voulais faire un gratin de chou-fleur béchamel avec des petits dés de jambon et des champignons, mais je n'ai pas dés de jambon, puis j'ai pas envie de faire une béchamel. Donc du coup, je vais faire ça comme ça, je pense que ce sera plutôt bon. Voilà.
Écoutez, je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais aller, je vais finir de faire à manger. Et après, j'irai... Et après, j'irai continuer mes listes, hein, tout simplement. Et puis, cet après-midi, j'irai dans l'atelier. Et puis, voilà. Voilà, voilà, encore une matinée de passé. Je ne sais pas pourquoi, mais le matin, là, j'étais dans le bureau, j'avais pas froid. Et là, je suis frigorifiée. Pourtant, j'ai mis un gros pull. Hein, j'ai un pull super chaud, un sweat super chaud. D'ailleurs, c'est le sweat mini qui vient de chez... c'est celui-là. Qui vient de chez... Qui habille mes deux... Oh, il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière. Attendez. On avait encore le pass. Donc en 2000... De l'année dernière. Voilà. Donc je pense que vous ne le retrouverez pas, mais je l'adore. Il a une petite capuche et tout. Il est trop trop mignon. Enfin, moi, je l'aime trop. Et on est trop bien dedans. Donc voilà, j'ai mis celui-ci aujourd'hui. Et pourtant, j'ai froid. Le chauffage tourne. Hein, il fait pas froid à la maison. C'est moi, Nono, qui est frappé contre le. Oh, pourtant, il fait 22,5. Hier midi, je l'ai les fesses, il faisait 21,3. J'avais trop trop froid. J'avais ressorti, bah vous avez vu ma combinaison. Ma combinaison souris, j'ai laissé un petit peu en bordel là dans le bureau. Elle est juste là. Comme ça, si j'ai froid, je peux la remettre. Mais là, avec le sweat, c'est pas évident. Bon, je vais laisser ça cuire et puis bah, je reviendrai tout à l'heure. Allez, je vais finir et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est midi 6, les petits gratins sont finis, sont cuits. Ça sent très très bon. C'est juste là, je vais les laisser au four pour l'instant. On va emmener Nounours faire un petit pipi. Hein, on va lui faire pipi, Loulou. Regardez-moi là. Je sais pas si vous me voyez. On va lui faire un petit pipi, mon chien. Oh, oui, t'as été gentil ce matin. Il a été adorable. De toute façon, il est toujours adorable, ce chien. C'est vraiment pas un chien à faire des bêtises à outrance, à faire des choses vraiment... Il est là. À faire des choses vraiment vraiment pénibles. Hormis aboyer, mais après, c'est un chien. Si, il va me piquer les coussins, voilà. Mais après, sinon, c'est tout. Il est vraiment très, très gentil. Il n'y a rien à redire. Il ne nous détruit rien. Si, les seules choses qui nous piquent, c'est les chaussettes et les chaussons. D'ailleurs, il a fallu que je me rachète une paire de pantoufles. Hein? Les chaussons de maman, tu les piques? Regardez-moi ça, comme il fait le beau. Oui. Oui. Oh, tu m'as griffé. Oh, tu m'as griffé tes grosses griffes, là. Oh, oui. Ah, putain, bah ça y est, j'ai le droit. Il m'a déjà griffé ce matin là, par là, je sais pas si on voit bien, mais il m'a déjà griffé là, là je me reprends un coup de griffe. Bref, oui, on y va. Allez, je vous laisse et on y va parce que il s'impatiente. Je vous reprends, il est 14h avec cette tête magnifique. Donc je suis dans l'atelier, hein, comme on peut le voir, et je vais faire les petits présents pour ma maman. Je vous montrerai ça quand j'aurai fini. Tout ce que je veux faire. Voilà, écoutez, c'est plutôt bien pour plutôt un petit programme sympathique. Je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui, on verra comme j'ai envie, puisque bah, j'ai toujours pas fini ma liste, truc de course et tout, et que j'aimerais bien l'avoir fini aussi. Voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends toujours avec cette magnifique tête, il est 5h30, j'ai reçu une petite lettre, alors sur différents groupes où je suis, donc sur deux groupes principalement, un de Noël et un de PMA. On a décidé pour Noël de faire un envoi de cartes. Donc en fait, on a un binôme, etc. Et on s'envoie chacun une carte. On peut envoyer une petite attention. Ça peut être un mail. Enfin bref, on envoie quelque chose. Si ça vous dit d'ailleurs, on pourrait le faire l'année prochaine entre nous. Hein. Et du coup, c'est une gentille fille qui m'a envoyé. Franchement, elle est super gentille. Et ça m'a trop trop ému ce qu'elle m'a envoyé. Et l'a fait avec son petit bonhomme. Deux petites étoiles comme ceci. Je ne sais pas si vous allez les voir. Celle-ci et celle-ci. Donc c'est des étoiles qui sont censées nous porter chance pour notre miracle à nous. Voilà. Donc ça m'a vraiment émue quand j'ai vu ça et que j'ai lu son petit mot qui allait avec. Ça m'a vraiment émue. Enfin, c'est juste adorable. Et voilà, qu'on rencontre des fois des personnes trop gentilles et trop attachantes. Bref, donc du coup là, je lui ai répondu, je lui ai fait sa petite lettre. Dedans, je lui ai mis une petite botte personnalisée pour son petit bonhomme et un petit bavard de Noël, voilà, pour son petit bout également. Et voilà, et pareil, une autre personne que je devais envoyer, c'est fait. Donc j'ai fait le colis et je lui ai mis un petit lot de coton lavable, voilà, parce qu'elle ne connaît pas, elle voulait tester. Donc je lui en ai mis. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à trouver pour envoyer. Alors, vous allez me prendre pour une kikiche, en fait, je sais plus comment on envoie une lettre. Donc, je vais regarder tout ça. Puis, écoutez, bah, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui.
Après, je vais monter ce vlog, aller prendre ma douche, faire à manger, enfin tout le truc habituel quoi. En fait, je sais même pas ce que je vais faire ce soir à manger, c'était gratin de ravioles, mais j'ai vraiment pas envie de manger ça. Je ne sais pas, on verra. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Oh non, pas à tout à l'heure. Je vous dis à demain, et demain, ben, demain, on continue la liste des courses. Faut qu'on fasse les menus cette fois-ci réellement pour faire les courses demain, s'il y a besoin d'en faire. Et que j'avance pour ma maman, puisque je lui ai juste fait un panier. Voilà, un petit. Enfin, elle voulait une grande panière, donc je lui ai fait une grande panière. Et elle voulait d'autres choses. Elle voulait un étui à brosse à dents, je crois, pour sa brosse à dents électrique. Donc, ça, je vais lui faire. Elle voulait un filet de lavage. C'est honnêtement pas là maintenant. Et elle voulait des cotons lavables, donc à voir. Je sais pas, on verra. Enfin, bref, je vais lui faire un petit truc sympathique. Et puis voilà. Écoutez-moi, je vous dis à demain. Bonne soirée.